Et on est bon. Bonsoir et bienvenue pour Tales from the Loop, 10 ans plus tard. Non, il n'y a pas 10 ans qui est passé, mais il y a un mois quand on n'y a plus joué. Donc ce soir, Shadow n'est pas là. On va jouer avec Céladon, alias Simon, le rôliste. Carthage, Jeanne la rebelle. Et Silariel qui joue Cécile, la geek. Donc, il y a un mois, après avoir combattu avec succès les oiseaux qui parlaient, hein, vous aviez trouvé d'où ils venaient, vous aviez réussi à arrêter tout ça, etc. Et ben, vous aviez fini vos vacances plus ou moins tranquillement. Jeanne rencontré une assistante sociale qui avait l'air sympa, mais apparemment ça balance dans ton quartier. Cécile, c'est Madame Albert, la voisine. Ouais. Cécile, t'avais fait. J'ai passé un test, moi. Ouais. Dès la rentrée, tu as passé un test du loop, du cerf. J'ai réussi, mais. Et tu l'as réussi. Oh, okay. Simon, toi, tu avais terminé ta campagne Donjons et Dragons. Enfin, lamentablement terminé, puisque ton mage est décédé devant le boss final. Malheureusement. Et quant à Anna, elle, pour l'instant, tout va bien dans sa vie. Elle est jeune et insouciante. Oui, donc, son père a disparu, par contre. Bon, mais, non, mais ça... c'est accessoire. Pas. Ça, c'était la fin de l'été. Vous êtes revenu en cours. Tout se passait normalement jusqu'à ce que le frère de Simon, Jonas, disparaisse. Donc, au début, les parents de Simon étaient inquiets. Et Simon, pas trop, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, il y a beaucoup de disputes entre... Jonas et la mère de Simon, parce que elle avait chopé Jonas et un de ses copains en train de fumer des cigarettes magiques dans sa chambre, et depuis ça chauffait un peu à la maison. Donc du coup Simon pensait que il en avait juste marre, quoi. Il était parti, mais quand même il aurait bien aimé la retrouver. À la suite de ça, le père d'Anna lui-même n'était pas rentré depuis 2 jours. Et même si ça lui arrivait de temps en temps de rester le soir au travail, normalement il s'arrangeait quand même toujours pour ne pas y rester plusieurs jours d'affilée. Du coup, c'était bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre et ce qui a déclenché le fait que vous soyez enfui dans la nuit, enfin, que vous ayez fait le mur pour aller mener l'enquête, c'est que le père de Jeanne n'était pas rentré. Lui aussi, un soir. Alors que ça, c'était tout à fait inhabituel. Alors, précisons, le père alcoolique de Jeanne n'était pas rentré. Qui était en train de se reprendre. Dernièrement, il sortait pour trouver un travail, apparemment. Et il était sur... de ce que tu voyais, il avait l'air sur la bonne voie. Vous aviez appris à la patinoire par des copains de Jonas... Et la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était sur la route de Saint-Génis-Pouilly, donc le village d'à côté où ils étaient allés voir un de leurs potes de lycée, et que depuis ce jour-là, il ne venait plus au lycée non plus. Et vous aviez décidé de refaire la route, donc la nuit, après avoir volé un vélo devant le bowling. C'était incroyable. J'avais oublié le vol de vélo. Et... à peu près au milieu de la route, dans un champ, vous aviez vu plusieurs ombres. Vous aviez décidé de vous arrêter et de vous faufiler discrètement pour aller voir ce qui se passe. Et là, je vous avais dit que vous voyiez quelque chose d'incroyable et qu'on verrait ça dans 2 semaines. Et c'était il y a un mois et demi. Donc, ce que vous voyez, c'est la nuit... Donc vous distinguez pas forcément grand-chose.
mais vous voyez de nombreuses silhouettes sont apparemment des personnes qui sont dans ce champ et vous voyez qui se baladent, vous voyez des groupes qui sont assis, vous voyez d'autres groupes debout. Et en fait, il y a plusieurs groupes de personnes comme ça disséminés plus ou moins dans le champ, en pleine nuit. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Tu vois pas vraiment, mais pour toi, c'est pas, tu les vois discuter, tu les vois comme s'ils s'étaient rencontrés là et que c'était tout à fait normal, c'est... apparemment. Il y a que des adultes. Alors, t'aurais du mal à le dire, hein, parce qu'il fait nuit et que vous les éclairez pas, mais en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de petites silhouettes. Des adultes debout dans un champ, ça pourrait être un festival, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de musique. J'ai pensé pareil. J'ai vu un film comme ça. C'était un gars, il dessinait une montagne dans sa purée, et puis après, il retrouvait plein de gens comme ça, au milieu d'un champ. Non, ça vous parle pas ? Je regarde pas de film. Pas des films, c'est trop... Pour mon âge, c'est trop... C'est pas pour mon âge. Un gars qui quoi ? Et il dessinait une montagne dans la purée. Je me souviens pas. Ah, je l'ai peut-être pas vu. Bon, c'est pas grave, c'est pas important. Je vais m'approcher discrètement. Je vais faire des ninjas, comme des tortues. Et puis, m'approcher. Et je vais essayer d'écouter ce qu'ils disent. Et toi, t'es qui voit rien. Pardon ? Ouais. Ils sont pas de lumière, ni rien. Ils sont... Non, tu distingues peut-être à un endroit du champ une petite lumière vacillante comme s'il y avait un petit feu. Mais vraiment, au milieu d'un des groupes plus loin. Ok, c'est vraiment un festival. De Cure. Ouais. Allez, j'y vais. Bougez pas. Puis j'y vais en rampant dans le champ. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on s'était déjà rapproché, hein, parce que je vois plein de tests de furtivité. Oui, c'était un serpent. C'est pour rentrer dans le champ sans vous faire repérer. Maintenant, si tu essayes d'approcher un des groupes, effectivement, il va te falloir un nouveau test de furtivité. Bah, je vais te tenter de... La furtivité, je cherchais. Tu arrives à te rapprocher d'un des groupes sans te faire repérer. En même temps, tu es petit dans les herbes hautes la nuit, tout va bien. Effectivement, ce ne sont que des adultes. Et pour ce qui est de leur discussion, ils discutent mais de choses banales en fait. Il n'y a vraiment rien de. C'est comme une discussion entre adultes. Il n'y a rien de qui te. T'arrives aux oreilles qui te fait dire ah ça c'est bizarre ou tu vois il y en a un qui parle d'une voiture, l'autre il parle de sport. Bon ça c'est un hasard. Il y en a un autre qui dit ah on est bien ici quand même. Ah ouais on est bien. J'en connais pas. Pixar avec un Marty. Ah t'en connais pas. Tu vas jeter un dé. Combien il y a de pourcentage de chances que tu qu'il y en ait un que tu cherches là-dedans ? Je te laisse choisir. C'est la population divisé par le nombre de gens dans le champ multiplié par le nombre de gens enlevés. Disons qu'il y a 40% de chances qu'il y ait quelqu'un que tu connaisses. D'accord. Donc il faut que je fasse moins de 40. Je demande parce qu'après il va me dire. Ah oui. Tu passes plus de 60. Mais bon vu que je fais 80. Hein. Non, là, dans ces adultes-là, il y en a pas que tu connais. Il y a peut-être un mec que t'avais déjà vu dans un genre dans une boutique, mais pas que tu connais personnellement, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'Aurorville, en tout cas. Mais tu connais pas personnellement. T'as pas vu ton père ou le frère de Simon, tu vois. Ni le frère de Simon, ni le père de... D'Anarco. Bah, je reviens vers mes compagnons de... Un serpent. Ah non, c'est Jeanne, putain. Qu'est-ce qu'elle me dit, c'est... Bah, il parle...
Des trucs très chiants d'adultes. C'est pas étonnant. Et qu'est-ce qu'ils font là, à cette heure-là ? C'est bizarre, quand même. Je sais pas, il y en a un qui a parié sur le match de foot, et l'autre, il va acheter une nouvelle voiture. Mais je doute qu'à cette heure-ci, dans un champ, on achète une nouvelle voiture. Mais va falloir qu'on y aille, hein. On se redresse, et puis on cherche mon père. Après, si on trouve mon père, il n'y a pas de souci, quoi. Peut-être tester la réaction en criant, on va voir. Ça sert normalement ou pas. On y va, il n'y a pas à avoir peur. Hein. Et Simon, on y va. Peut-être un langage connu. Peut-être il parle de choses et en fait il dit c'est des voitures, mais en fait il parle pas de voitures et tout. Ah non, non, je te garantis, il parle de trucs très chiants. Ça, y avait pas non, de mais ils sont pas assez malins pour faire des langages codés comme ça, Simon. Je dirais que les adultes sont malins, mais c'est que dans les jeux de rôle. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que les adultes dans les jeux de rôle, bah, c'est des enfants. Mais ouais, carrément. Donc, que faites-vous ? Vous vous redressez ? Alors moi, je soupire quand j'écoute les deux geeks, là. Et ils vont reparler de Saruman le Gris et de... Voilà. Allez, on y va ? Du moins, je me lève. Bouge. Moi, je fais you comme ça. You. On va pas leur dire bonjour, on va chercher mon père. Mais je leur dis pas bonjour, j'essaie d'attirer l'attention pour voir si ils réagissent normalement. Je me sens pas très à l'aise. Vous vous redressez. Cécile fait you. Le groupe d'adultes le plus proche tourne la tête vers vous. Et... Tiens, qui c'est ? Ah, des enfants. Ouais. Et il se retourne, il continue à discuter. Bah, très bien, donc moi je continue à travers les groupes, puis je cherche mon père. Puis je l'appelle. Ouais, bah, je vais l'aider, moi, bah, du coup, s'ils sont tous un peu comme ça, ouais. Ok. Je l'appelle. Bien, au bout d'un moment... Je n'ai pas donné le prénom à mon père. C'est vrai. Ah si, Johan. Johan Kiroff. Papa, Johan. Tu cherches pendant un petit moment et tu vas finir par trouver effectivement ton père qui est là dans le champ et surprise il est avec Camille, l'assistante sociale. Il est aussi dans le champ. Prends vous avez vu que l'assistante sociale. Vous avez vu qu'à un moment Anna pareil, elle était avec vous en train de chercher et elle a vu son père et elle a couru vers lui. Et Simon, non loin de Johan et Camille, du coup, tu vas voir ta mère et ton frère, qui sont assis autour du petit feu de camp. Est-ce qu'ils fument un petit spliff ensemble, genre ? Non. Ce serait des Est-ce qu'il y a un mec qui joue du djembé dans l'histoire ? Non, il n'y a pas de musique. Man. Par contre, ce que vous avez pu voir en cherchant un petit peu, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est la nuit, il y a la lune qui éclaire, mais c'est pas... Vous voyez qu'il y a un endroit où il y a un plus grand regroupement que les autres. Mais en tout cas, vous êtes tous les deux devant vos parents, Cécile, je sais pas qui est-ce que t'as suivi, mais... Non, je suis avec peut-être Simon, moi. Ok. Mais il réagit... Moi, je vais chercher mon père, quoi. J'arrive devant mon père, et puis je dis, hey. Ouais, je t'ai attendu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas au lit? Bah, et toi, pourquoi t'es là? Dans un champ? Moi? Mais non, mais j'ai un truc à faire. Je suis avec Camille, là, on discute de choses importantes. T'inquiète pas, je vais rentrer demain, va au lit, demain t'as école. Je sais pas ce que tu fais dehors en pleine nuit, là. Et vous faites quoi dehors en pleine nuit au milieu d'un champ? Eh ben, on discute, je te viens de te le dire. C'est des trucs d'adultes, tu peux pas comprendre. Bah, un peu dépité. Je regarde Camille, elle a l'air qu'à avoir quel air, elle. Bah, elle était en train de discuter avec ton père, donc elle attend qu'il ait fini de te renvoyer. Quoi. Bon, bah, je rentre alors, c'est ça? Ouais, ouais, au lit. Allez, il est tard. J'ai demi-tour et puis je regagne
Je me dirige vers Cécile et Simon. Simon, quand t'es arrivé à côté, non loin de ta mère et de ton frère, vu qu'il y a un petit feu de camp, tu rentres dans la lumière. Et ta mère, elle te dit « Oh, Simon, regarde, j'ai retrouvé Jonas. » C'est cool. Du coup, ce que tu... Ouais, tu vas rentrer. Du coup, ce que tu vas faire, tu vas aller à la maison et tu vas prévenir papa que j'ai retrouvé Jonas et tu lui dis où on est, d'accord ? Vous êtes bloqué ? Non. Pourquoi non, mais vous on veut pas avec moi. Mais parce que je t'ai dit, va dire à ton père qu'on est ici. Donc, s'il te plaît, déjà tu devrais être au lit. Je sais pas ce que tu fais là. Donc, s'il te plaît, rentre à la maison. Dis à ton père que tout va bien. On est là. Je. Attends, s'il répond. Ça va ? Quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je ramène papa ici, c'est ça ? Non, pas besoin de le ramener. Tu lui dis juste que tout va bien et qu'on est ici. Ok. Mais va te coucher surtout. Demain, il y a école. Deuxième. Je cherche un chardon dans le champ là. Un truc épique, quoi. Ouais, un chardon. Tu vas trouver. Pas de souci. Je vais aller piquer Jonas, je sais pas, quelque part. Hein. Voir si ça le sort un peu de cette torpeur bizarre. Parce que là, ils ont quand même proposé à Simon de rentrer chez elle et d'emmener leur père là-bas, donc elle sera toute seule à la maison, d'accord, c'est ça le principe. Non, ils ont dit de pas ramener mon père. De juste lui dire qu'ils étaient là. Alors, en fait, tu vas trouver une herbe, un chardon, un truc piquant. Tu vas piquer Jonas qui va dire « Oh, mais vas-y, Cécile, qu'est-ce que tu fais là ? Laisse-moi tranquille. » Ouais, donc c'est plutôt normal. C'est une expérience scientifique, excuse-moi Jonas. Ouais, tu sais, les expériences scientifiques, déjà quand on a ton âge, m'étonnerait qu'on ait le droit d'être dehors. Mais parce que j'avais l'impression que t'avais une mauvaise circulation sanguine. Ouais. Et vous allez voir Anna revenir toute dépitée et dit « Bon, bah, mon papa il a dit qu'il faisait une expérience scientifique ici et que je devais vite rentrer à la maison, sinon je serais puni. » Bon, mais. Vous rendez pas compte. Enfin, c'est pas normal. Ils nous disent tous de rentrer. On est en pleine nuit. Des kilomètres de chez nous. Ils nous disent de rentrer comme ça. L'assistance sociale, ça a pas l'air de la choquer. Puis mon père a dit ouais, tu reprends ton vélo. Enfin, ils savent même pas comment on est venu. Tu pars dans la nuit noire. Et puis, tiens, tu vas chercher ton père, Simon. Mais attends. C'est ton parent. C'est dommage qu'on puisse pas avoir des preuves que ton assistante sociale soit là. Bah pourquoi ? On a le droit d'être où elle veut. Elle pourra plus jamais t'embêter si elle elle traîne la nuit avec ton père au milieu d'un champ. On va avoir du mal à expliquer qu'il se passe des choses bizarres dans ta famille, tu crois pas ? Ah ouais. Faudra un appareil photo. T'as pas un appareil photo ? Un appareil jetable ? Non. Dommage qu'on soit pas dans ces bouquins où ils sont tous en appareil, sauf des trucs rectangulaires comme ça. Ouais. En général, dans ce genre de livre ou de série, c'est la petite intello qui a ça. Donc, faut qu'elle achète. Qu'est-ce que tu veux, je l'ai pas encore. Pour rappel, vous avez pas d'appareil photo, mais vous avez des taki-waki que Cécile avait fabriqué. Ah oui, c'est vrai. Parce que je me doute que vous en souvenez plus, du coup je vous le rappelle. Ouais, oh, je m'en souviens, mais je voulais le garder pour un moment critique. Ça va nous aider à prendre des photos. Alors, théoriquement, en débranchant, non, je rigole. Eh ben, sinon, on peut déjà aller voir là où il y a plein de gens là-bas. On voit rien de spécial, il n'y a pas un endroit où les gens ils sont. Non, à part l'endroit où il y a plus de gens. Des ondes, etc. Moi, je regarde régulièrement le ciel parce que depuis que je pense à mon footy, c'est comme dans le film avec le gars qui dessinait la purée. Ils sont un peu. Ils font une fixette, ils veulent rester là et ce qui est important, c'est des extraterrestres. Peut-être que c'est à Saint-Génie qu'il y a un truc chelou, non ? On est loin de Saint-Génie, on n'a même pas fait la moitié du chemin. Vous êtes à peu près à la moitié du chemin. Pour rappel, entre Orville et Saint-Génie, je crois qu'il y a 2 km.
Vas-y, mais moi je vais aller voir là où il y a beaucoup de gens, je vais chercher quelque chose. Reste à portée de Toki. Toi. Ok. Ça t'embête pas. Vous allez vous approcher du groupe de personnes un peu plus nombreux. Et au bout d'un moment, vous allez être arrêté par des adultes qui vous disent hop hop hop. Alors on va pas plus loin. Pourquoi? Bah parce que je te le dis, je suis un adulte, un enfant, tu vas pas plus loin, rentre chez toi. Pas parce que vous êtes un adulte que vous avez raison. J'essaie de passer. Tu essaies de passer. Sauf que il y a au moins 2-3 adultes qui t'en empêchent. Il me touche pas. Hein. S'il me touche, je panique. Il te touche pas, il te bloque la route. Moi, je peux profiter de ça pour passer. Tu peux essayer. Parce que j'ai une fierté, je n'ai pas reculé même quand c'était la merde. Je sais pas comment ça s'utilise, j'ai tout oublié, mais c'est pas... Je te dirais que moi aussi. Donc, je crois que la fierté, c'est pour relancer, non? Je sais pas. Fierté, non. La fierté, c'est un succès automatique. Ok. Donc, tu utilises ta fierté. Oui, t'as le droit de l'utiliser qu'une fois, je crois. Bref. Ouais, une fois par scénario et c'est. Ou par session, je sais plus, ça, tout va. Ok, mais tu utilises ta fierté pour. Pendant qu'on barrage à Simon, essayer de passer un peu plus furtivement, t'arrives juste à avoir un aperçu de ce qu'il y a derrière. En fait, il y a une espèce de. Tu vois pas toujours, c'est la nuit, donc tu vois une ombre. Une ombre rectangulaire. Il doit faire à peu près 2 mètres de large. Et à peine tu arrives à voir cette chose qu'il y a plusieurs adultes qui te chopent et qui te tirent en arrière et qui disent « Non, mais les enfants, on vous a dit, on va pas par là. Rentrez chez vous maintenant. » Cécile, tu vas me faire un jet de réseau. Pour de vrai ? Ouais. Donc non, rien de spécial. Eh bien, je retourne vers Simon. Simon, il y a un truc bizarre là-bas. Une espèce de rectangle noir, c'est ça qui les rend fous, j'en suis sûr. Faut aller voir Jeanne, elle va passer facile. Peut-être on peut les contourner. On peut peut-être essayer, ouais. On peut changer de partir. Quoi? Il y a un truc bizarre là, dans ce tamas de personnes. Comment vous êtes fait bolosser, quoi? Ah, je suis passé quand même. Je suis allé au truc. Tu aurais pas vu passer les adultes? Putain, j'ai pensé à toi en plus quand j'ai foncé là. Et c'est quoi le truc noir? Ah ben, c'est un grand rectangle, mais si tu veux, il fait nuit quoi. Même, espèce de rectangle étrange. Un ovni. Ils nous empêchent tous d'aller là-bas. C'est là le truc. Un ovni, généralement c'est rond, mais c'est vrai que pourquoi ce serait pas rectangulaire? Est-ce que ton frère a dessiné des rectangles dans la purée, Simon? J'en sais rien, moi. Ah bah ouais, moi j'essaie de comprendre. Pour m'aider un peu. Il y a des trucs de purée. Bon, on va faire mine quand t'as on la dalle. Vrai. Ouais, bah un peu, parce que j'ai eu un reste de pizza froide. Et voilà. Faut dire que mon père n'a pas fait des courses parce qu'il était dans un champ avec l'assistante sociale. Pendant que vous êtes en train de, sec, si tu veux. De discuter, Jeanne et Simon, vous sentez quand vous tapez sur l'épaule, quand vous retournez, il y a ta mère Simon et ton père Jeanne. Ils ont l'air furax et ils vous disent « Je pensais qu'on vous avait dit de rentrer à la maison. Donc maintenant, vous y allez ou vraiment ça va mal se mettre pour vous ?» On va pas le chemin. Jeanne, me prends pas pour un con. T'es venu jusqu'ici, tu sais repartir. Tout de suite. C'est Camille qui va être contente d'entendre et ça. Il te chope par le bras. Et il t'amène jusqu'à l'orée du champ. Maman! Pareil pour ta mère, Simon. J'ai peur de rentrer tout seul. T'es pas toute seule, t'es avec tes copains. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Et non, je m'accroche à elle. Et ramène Anna chez elle tout de suite. T'as vu l'âge qu'elle a? Tu crois qu'elle doit être dans un champ à cette heure-là? Non, faut mieux qu'elle soit ramenée par un enfant, c'est vrai.
Simon, je compte sur toi, c'est toi le grand. Ils sont tous fous, les adultes. Oh, vous êtes devenus fous. J'ai peur. Simon, je pense que c'est les... Ils sont contrôlés mentalement par un monstre, comme dans la dernière campagne. J'essaie d'évoquer, de réveiller des sentiments profondément enfouis, là. Bah, tu vois qu'à partir du moment où ils ont ramené à l'orée du champ, ils vous regardent, les bras croisés, et ils attendent que vous partiez. À peine je suis arrivé au bord, tu sais, d'où ils m'amènent, en me tenant par le bras. Je tire fort mon bras, tu sais, pour me libérer, puis je vais vers mon vélo. Puis je fais même pas attention, en fait, ni à mon père, ni à Simon, Céliana. Ouais, je prends le vélo et vu qu'on avait deux moyens de locomotion, je sais plus comment c'est d'ailleurs, j'avais un porte-bagage. Ouais, il y en avait un sur un porte-bagage. Je sais plus qui était sur mon porte-bagage. Mais... La plus petite. C'était moi. Ah non, c'était Simon. Ouais. Attends, moi j'étais en skate au début, après j'allais finir. Et sans regarder vers eux, justement je lance Simon, si tu veux pas rentrer à pied, c'est maintenant. Et bien on se tire. Moi j'ai. Est-ce que je pourrais. Demande si je pourrais prévenir les flics avec mon Toki en cherchant la fréquence. Bricolage. Ah, pas de bonne. T'arrives pas à choper la fréquence. Trop crevé, je suis trop crevé, faut dormir. Que faites-vous? Je parcours 100 mètres. Puis clairement, moi je m'arrête. Je dis, on va pas, de toute façon, on va pas. On va y retourner. Il faut qu'on sache ce que c'est ce truc, c'est sûr. Est-ce qu'on pourrait essayer de contourner le champ, de passer par un autre endroit pour y aller? Et je crois qu'ils étaient tous autour du machin, hein. C'est chaud. Hein. C'est ça que j'ai vu, un peu une masse autour du truc, quoi. Et c'était quoi? C'était gros. Pour vous rappeler aussi un petit truc, vous êtes à. C'est fait nuit. Hein. Vous n'avez pas de dieu laser, etc. Vous n'avez pas pris de lampe de poche en partant. Faire des contourner des champs, etc. en pleine nuit, sans savoir exactement où vous êtes. Vous pouvez essayer. Il n'y a pas une lampe sur le vélo? Si, oui. Ouais, c'est une dynamo. Ah oui, c'est une lampe à dynamo. C'est sûr. Là. On va être obligé de tourner comme ça. C'est excellent. Si on porte le vélo, tu tournes le pédale et toi tu t'éclaires. Non mais laisse tomber. Déjà, on sait qu'ils sont en vie. On rentre et on voit demain s'ils rentrent, s'ils sont rentrés. Ouais, ils rentrent demain c'est matin. Et s'ils rentrent demain matin, on essaiera de revoir Kumwa après. Et pour moi, ça manipule les enfants. Enfin, pas les adultes. Ton gros Kumwa. Faut pas appeler la police, parce que de toute façon, la police, c'est des adultes. Ils vont venir et puis ils vont être le cerveau vilé quand même. De toute façon, j'ai pas réussi. Franchement, je suis crevé. J'ai comme une voix dans ma tête qui me dit que ce serait pas une bonne idée d'y aller dans le noir. C'est une bonne voix. Ouais. Vous rentrez. Je vous passe les jets pour essayer de rentrer discrètement. Bon, Jeanne, de toute façon, toi, t'es tranquille, il n'y a personne à la maison. Il n'y a pas besoin de rentrer discrètement, de toute façon. Vous tapez à la porte et vous dites on les a vus dans un champ. Cécile, tu vas rentrer chez toi par une porte de derrière, tu sais où on laisse la clé. Ton père va se réveiller. Il va croire que t'es encore descendu boire un verre d'eau. Il dit, maintenant tu vas dormir, hein, vraiment, ça fait trois fois cette nuit. Comment ça être... C'est important. L'hydratation est importante, papa. Ouais, ouais. 1,5 litre, toutes les 24 heures. Anna, elle, tel un chat, remonte sur sa gouttière facile. Et Simon galère un peu plus, mais il finit par arriver à rentrer dans son lit aussi. Je suis agile comme un manche à balai, je crois. Vous passez la nuit. Le lendemain, dites-moi, que faites-vous? Est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que vous faites quelque chose avant d'aller à l'école?
Ah. Je contacte déjà mes potes pour voir s'ils sont rentrés, s'ils sont rentrés. Alors Simon, tu... dis-moi ça. Tiens, d'ailleurs, tu vas commencer par Anna, qui te dit que elle est tombée malade hier soir et qu'elle va pas pouvoir venir aujourd'hui. Voilà. Elle reste au lit. C'est notre faute. Elle reste au lit aujourd'hui. Elle dit par contre, mon père est toujours pas rentré. Tu t'avais dit que c'était pas une bonne idée de boire dans les flaques, pour ça. Et après, du coup, allez-y. Hé hey Simon, t'es parti ou quoi? Il doit être encore en train de bûcher son livre des règles. Simon, y a quelqu'un chez toi? Il y a mon père. Ils sont pas rentrés, les autres? Non. Bon, contacte Jeanne, demande-lui s'il y a quelqu'un chez elle. Je crois qu'il y a quelqu'un juste derrière en t-shirt rouge. Quoi? J'ai pas entendu la fin. Répétez. Bon, c'est une blague toute pourrie. J'ai pas entendu, ça a coupé. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière en t-shirt rouge. Énorme. Le Père Noël. C'est un enfant, il ne risque rien normalement. Du coup, je contacte Jeanne, coup, c'est ça? Ouais, et effectivement, Simon, ils sont pas rentrés. Ouais, vous pourriez prendre un paquet de BN, parce que pff, rien à bouffer chez moi. C'est la misère, les placards sont vides. Ensuite, je prends des abricots secs et des BN. Ah non, mais tes abricots secs, non. Non. C'est excellent pour la santé, Jeanne. T'as pas du cacolac? La dernière fois, t'avais du cacolac, c'est vachement bon. Cacolac. Allez, un cacolac, ça marche. Simon, je suppose que tu dis à ton père où sont ta mère et ton frère. Quoi? Désolé. Mon père Simon. Est-ce que tu dis à ton père où sont ta mère et ton frère? Non. D'accord. Non, il va y aller. Ok, ok. Mais, juste pour savoir. Je lui demande par Toki ou Oki. Eh Simon, ton père, est-ce qu'il semble inquiet? Oui. Oui. Bah. Oui, il est inquiet. C'est pas normal, ta mère, si elle est censée... Enfin, un adulte, ça, ça lui aurait téléphoné pour dire j'ai retrouvé toi, Jonas. Et comment? Faut qu'on aille deux jours. On voyait rien, parce qu'on était nuit. On sèche l'école. Je suis entièrement d'accord avec ça. De toute façon, moi, je m'en moque. C'est pas la première fois que je sèche les cours. Je te filerai la réponse au contrôle, c'est tout bourré. Mais comment Cécile, elle va sécher les cours? Oh, Cécile. Ouais, ouais, comment Monsieur Loire, il va pas être content? On a 2 heures de maths aujourd'hui. Cécile. T'appelles ça des maths? Bon, t'appelles ça quoi? C'est vrai que depuis qu'ils ont commencé à mettre des lettres, je me demande si c'est pas du français aussi. C'est des petits jeux, quoi. C'est sympa, mais... En parlant d'école... Pendant que vous êtes en train de discuter dans vos takiwalki, Cécile, y a le téléphone sonne chez toi. Et ton père décroche. Il dit hein. Bon, d'accord. Il se retourne vers toi et dit bon, bah, t'auras pas école aujourd'hui. Apparemment, ton prof de maths est absent. Je prends le Tokiwoki et je réponds en anachronique Chez sur le canal. Chez? C'est quoi? Non, c'est un truc que j'ai lu. Je sais pas. Non, mais c'est bon. Chez? Y a pas cours. Y a pas cours. Les instincts, ils doivent être dans le champ. Ils doivent être dans le champ pareil. Allez, dis-moi pourquoi y a pas cours. Y a pas cours parce que le prof est dans le champ, je te dis. Monsieur Loire est dans le champ. Sérieusement, on essaye de sauver tout le monde, mais on laisse Monsieur Loire avec le cube noir là. Pour un Loire est dans un champ, c'est pas voilà. C'est pas étonnant. C'est un Loire dans un champ. Ah, je l'ai pas, mais on y va. Donc ça, on y va. Cette fois, on s'équipe. Et on s'habille en vert, en camouflage. D'accord. Cette fois, vous avez vos propres vélos, etc. Vous retrouvez sans problème. C'est un vieux par-dessus à mon père qui doit être un peu trop grand. Mais... Parce qu'il est, comme j'avais dit, hein, il fait de la chasse. Hein. Obligé. Il boit, il chasse. Voilà. Et donc, j'ai une vraie tenue de camouflage. Et mon bonnet vert. Salut. Moi, j'ai un survêt vert fluo. Non, mais.
Je vais dire vert. Tu peux. Le but, c'était d'être camouflé. C'est pas. Ok. C'est un. Donc c'est bon, vous y repartez ? Bon, bah ouais. Ok. On a des biscuits, du cacolac, des abricots secs, on est bon. Ah non, le cacolac, y a plus. Hein. À peine Jeanne a chopé la bouteille de cacolac. De toute façon, c'est tout petit. C'est de l'arnaque. Donc vous repartez vers le champ. Il y a à peu près 9h, 10h. Quand vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte qu'il s'est passé des choses pendant la nuit. Donc il y a toujours des gens. Il y en a même maintenant plus. Vous voyez que il y en a certains qui ont l'air blessés. Vous voyez qu'il y en a plusieurs qui sont torse nu. Vous en voyez qui marchent à quatre pattes. Et quand vous arrivez dans le champ, en fait, vous voyez un adulte sortir des fourrés et apparemment tente de s'approcher du champ. Et il y a un autre mec, un des mecs qui a quatre pattes et torse nu, qui va vers lui, tu vois, et il lui fait genre une... Comme vous voyez, vous avez déjà vu des documentaires sur les gorilles, tu vois, qui essayent de se dominer. Et quand le mec arrive, t'as l'autre qui se redresse sur ses deux pattes de derrière, là, et qui lui... Et il parle même pas, tu vois, il lui crie dessus, un cri bestial. Et l'autre, il baisse la tête, il enlève sa chemise et il le suit. Non, mais c'est vraiment un festival. C'est tout comme j'ai vu sur les vidéos de Woodstock de Papa Noël. C'est la planète des singes. Bon, bad trip. Mon frère m'a dit, c'est comme ça s'appelle. Et beaucoup plus perturbant pour des enfants de votre âge. Vous voyez, un peu plus loin dans le champ, des personnes qui s'adonnent à des choses interdites aux moins de 18 ans. Tout ça en plein jour, au milieu des autres. C'est dégueulasse. Est-ce qu'on voit la structure noire d'ici maintenant ? Il fait jour. De là où vous êtes, vous ne la voyez pas parce que vous voyez ce regroupement de personnes. Apparemment, il y a toujours un regroupement de personnes autour de la structure. Parce qu'elle n'était pas très haute, hein. Elle était large. Mais de hauteur, elle faisait à peine un mètre. Donc, vous voyez juste un regroupement de personnes. Ceux qui sont près de cette structure, vous en voyez quelques-uns blessés, mais ils ont l'air toujours d'être sur leurs deux jambes et de discuter. Et là, Cécile, tu vas me refaire un jet de... Hop là. De découverte. Ou compréhension. Bon, hop, un des deux. Puis que tu veux. Vraiment celui où t'as le plus de stats. Ah, mais oui. Ok, tu reconnais une personne au milieu de ces gens. Quelqu'un de célèbre qui travaillait pour le loop. C'est Léna. Léna, c'était celle qui avait abandonné l'autre aux oiseaux, là. Ouais. Effectivement. Léna, Eline, donc la célèbre, presque fondatrice du CERN, enfin qui était là, en tout cas, à la fondation du CERN. Il l'a quitté, qui s'est fait virer il n'y a pas si longtemps. En tout cas, si c'est ça, travailler au loop, moi j'arrête directement les tests. Mais c'est un truc de hippie, comme dirait mon père. Anna nous avait dit qu'elle travaillait plus avec son père. Elle a été virée. C'est ce que nous avait dit aussi, j'ai oublié son nom, monsieur aux oiseaux, le tonton à Mélanie. Jacques. Ouais, Jacques. Il était amoureux de Léna. Et puis, ouais. Il avait dit qu'il a travaillé plus au loop. Mais ça se trouve, elle s'est fait virer. Elle a inventé ce truc diabolique pour se forger. Je sais pas. Elle avait déjà obligé Jacques à faire le truc des oiseaux. Tout bizarre. Et puis maintenant, il y a ça. Je rends les oiseaux intelligents et les adultes bêtes. Et c'est un grand... C'est un peu... C'est un super vilain, quoi.
Mais Léna, elle est dans son état normal, genre? Ah oui. Elle est... Pardon. Elle est au plus près de la chose que vous avez vue hier. Elle est entourée d'autres personnes qui sont tous plus ou moins... qui ont l'air plus ou moins normales. Il y en a quelques-uns qui sont blessés, tu vois. Apparemment, il y en a un... Tu vois que leur nez est un peu déformé, il y a des traces de sang au coin de la bouche, tu vois. Mais, bon, est-ce qu'il semble avoir un objet particulier, genre un chapeau en papier d'alu? Non. Parce qu'ils sont reliés à la terre, non? Bon, ouais, d'ailleurs, il y a le père d'Anna est proche, enfin, est dans ce groupe de personnes plus proches de la structure. Non mais c'est le carré VIP, hein. C'était comme ça. Ouais. Ah, le problème c'est que maintenant on y voit, mais ça va être plus dur de s'infiltrer. Jeanne, tu peux faire semblant d'être une adulte. Hein? Comment? En grandissant comme ça, tu sais. Par contre, plutôt quand même. Passe pas de ce côté-là, j'ai pas l'impression que ce soit le bon plan. Peut-être que je peux m'approcher en faisant le gorille. Mais non, t'es un enfant, ils vont crier. Certaines espèces mangent leurs enfants. Faut qu'on essaye d'approcher suffisamment près pour voir ce que c'est ce truc noir. Oh, mais t'as pas pris une longue vue? Personne n'a pris une paire de jumelles? Est-ce qu'on peut essayer de repérer un endroit où on pourrait s'approcher de ce truc noir? Faire une analyse topographique de la scène. Vous pouvez vous approcher sans passer par... sans passer la barrière d'adulte. Là, vous pensez que si vous vous approchez assez, vous allez voir ce que c'est. Vous n'allez pas voir en détail de près, mais... C'est ce qu'on doit faire, déjà. Ouais, déjà, c'est bien, ouais. Voilà. Parce qu'on ne sait même pas ce que c'est. C'est un truc noir, maintenant, de jour... Là, de loin, vous ne voyez pas, parce qu'il y a trop de gens devant. Mais si tu te rapproches, tu vas voir à peu près derrière ce que c'est. Eh bien, go, alors. Allons-y. Par contre, s'il y a un gorille qui vient, ça va chier. Je prends un bâton. vous approchez de la structure. Jeanne, tu repères pas ton père. Et Simon, toi, ta mère et ton frère sont toujours assis là où ils étaient cette nuit. Et vous voyez... Je m'inquiète. Je me dis que mon papa, il doit être tout nu avec Cécile, l'assistante sociale. C'est Camille. Il y a un petit frère là qui est en route. Ça va bien se passer. Vous rapprochez suffisamment pour voir que derrière les adultes, en fait, il y a un cylindre de métal brillant d'un mètre de haut et de 2 mètres de diamètre. Et sur le côté de ce cylindre, il y a une inscription. C'est l'inscription dit Nata. N-A-T-A. J'ai pas entendu. L'inscription dessus, c'est marqué Nata. N-A-T-A. N-A-T-A. Comme la NASA, mais avec un T. Comme les grands mappas, mais avec un M et un T. Nata. Nathalie, peut-être. Non. Je sais pas. Oh, mais c'est pas un acronyme qu'on connaît? Non. Azote. Non, ça donne rien. Ben, si on rajoute un N à la fin, ça fait Nathan, mais je doute que ça soit un jeu de société. Ça n'a pas l'air. C'est quoi, c'est juste un cylindre? Ouais. Genre, c'est réfléchissant ou il y a un truc? Bah, c'est brillant parce que c'est en métal chromé, quoi. Tu vois. Il n'y a pas de porte? Non, bah, c'est ça fait que 1 mètre, hein, 1 mètre de haut. Il y a une grille dessus? Tu vois pas vraiment le dessus de là où t'es. Mais ça a l'air d'être juste un truc plein. Non, pas que tu puisses entendre. C'est peut-être une cheminée. D'un truc comme ça. Et Léna semble faire quelque chose? Non, elle discute avec des gens. En fait, tout autour, il y a des adultes. Alors, apparemment, ils sont. Comme s'ils montaient la garde, tu vois, pour que personne puisse passer. Ils font une ronde assis ou debout autour du Nata et ils surveillent que personne ne s'approche. Il n'y a rien dans le Necronomicon
Non. On est bien d'accord qu'on est entre Aurorville et Saint-Génis. Oui. D'accord. Et les portails, c'est quoi les portails? Destina, portail aérien. C'est une bonne question. Oh. On sait pas ce que c'est. Non, vous savez pas ce que c'est. C'est marqué sur des panneaux. Et... Mmh. Et autour à la ronde, il n'y a aucun bâtiment, aucune espèce de... Non, non, vous êtes en plein milieu des champs. D'accord. Ça doit être intéressant. Si vous voulez, je sais pas, regarder un peu mieux, fouiller un peu plus, vous pouvez me faire un jet de découverte. Ah. Pas grave. Allez lire. Bah, c'est oui, vous qui devez me dire « je fouille ». Monsieur le MJ, si on te le dit. Très bien. Donc, vous remarquez que à côté du Nata, il y a des gros câbles, mais des gros câbles qui partent du Nata et qui s'enfoncent dans la terre. Et en fouillant dans le champ aussi, vous trouvez d'autres câbles qui ressortent de la terre et semblent partir vers le nord. Si on suivait les câbles, mais vers le sud. T'arriverais au Nata. Suivez ce câble. Suivez ce câble. Alors on va aller vers le nord. C'est trop cool. Je suis les câbles. Que ton père et que ton frère et ta mère sont lobotomisés par une machine. Parce que si on rajoute un S, ça fait Satan à l'envers aussi. C'est trop cool qu'on trouve des solutions pour sauver des gens qu'on aime. Ah. Moi je trouve qu'on passe trop de temps à les sauver. Mais... C'est quand même une grande aventure, hein. Les Cosmo 3. Mais on n'est pas des Cosmo 4 cette fois. C'est de retour sur la brèche. Allez, pense à toi. Donc, vous partez, vous suivez les câbles, et au bout d'un moment vous allez arriver dans un espèce de petit bosquet. C'est pas vraiment une forêt, mais vous êtes quand même entouré d'arbres. Et vous allez tomber sur quelque chose que Cécile connaît. Ça s'appelle une sphère d'écho. Donc une... Évidemment. Voilà, une sphère d'écho. Vous voyez que les câbles arrivent jusqu'à cette sphère. Et que... en fait, une sphère d'écho, c'est quelque chose qui fait pareil. C'est une grosse boule de 2 mètres de diamètre et de 800 kilos. Voilà. Et toi, Cécile, tu sais que ça sert à faire de la programmation. Donc, wow. D'après ce que tu en comprends, c'est quelque chose qui donne des instructions à une autre machine. Et cette sphère d'écho a l'air vieille et tout rouillée. Mais c'est pas tout. Parce que quand vous arrivez non loin de cette sphère d'écho, vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul. J'ai un drôle de pressentiment, les amis. Vous allez me faire un jet de découverte. Je regarde autour de moi pour voir si on n'est pas seul. Qu'est-ce qu'il faut ? Je suis nul en découverte. Je peux pousser ? Bing. Je peux pousser, mais tu dois cocher un état pour pousser. C'est où ? Bon, après, je te le déconseille. Donc, puisque... Vu que les autres ont réussi, quoi. Au moment où tu te dis « je vais mieux regarder » et tout ça, ça commence à t'énerver. Tu dis « non, mais ça me saoule, je vais mieux regarder. » Les autres, vous pointez du doigt et arrive de derrière vous dans les bois. J'ai mon bâton que je tiens à deux mains. Hop ! Cette chose... Il m'a fait peur. En fait, vous il le voyez trop cool. Marcher dans votre direction d'un pas robotique, hein, je peux pas dire autrement. Et il vous dit « Bonjour, je me prénomme Isaac. Veuillez partir d'ici. » Cécile, Simon, allez vers la sphère du machin. Puis moi, je tire mon bâton. La violence n'est pas une solution. Je, m'occu- je, m'o-
Je m'occupe du Zach. Allez-y, j'empêche de... voler débrancher le truc. Allez-y, maintenant. Et si, il n'y a pas moyen de lui faire faire une commande pour qu'il nous explique tout? Non, vas-y, débranche. Je vous déconseille cette solution. Rentrez chez vous, les enfants. Je ne veux pas vous faire de mal. Bah, si vous le faites pas, vous vous occupez de le bloquer. Moi, je commence à courir vers la sphère. Isaac, qu'est-ce qui se passe ici? Explique-nous. Demande d'information. Tu vois que, en fait, Isaac, il se tourne vers toi. T'as l'impression qu'il allait te répondre, mais quand il voit Jeanne courir vers la sphère, en un bond rapide et un bond de robot, hein, il rattrape Jeanne et son doigt te touche le cou. Tu prends une décharge électrique, t'as les jambes coupées et tu tombes. Et donc tu vas me cocher. Et tu peux cocher pour ça. Bah, blessé. Paraplégique, a priori. Non, non. C'était en fait... La décharge électrique n'était pas forte. Vous êtes... Vous, en fait, ça, c'est surtout que... Bah, quand t'as eu les jambes coupées, tu t'es... T'es un peu ouvert le genou en tombant. Je répète, je ne veux pas vous faire de mal. Rentrez chez vous. Ok. Moi, je parle. Il veut pas me faire de mal, mais il vient de m'électrocuter, je viens de tomber. Puis il tient à capturer tous nos parents, là. Mais faites quelque chose, vous deux. Oui, mais là, il vient nous rattraper, très certainement. Alors, est-ce que... Mais il allait répondre. Du coup, je réessaye, moi. Merci. Alors, demande d'information. Tu vas me faire un test de charme. Préparez-vous. On a tous nos points de chance, là, depuis que ça a rebooté, ou pas? Non. C'est par aventure. Donc, est-ce que tu essayes de relancer, ou... C'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, j'aimerais bien utiliser un point de chance. Vas-y, tu peux utiliser un point de chance et relancer, du coup. Voilà. Ok. Il se tourne vers toi et il dit... S'il vous plaît, les enfants... Est-ce que je peux me relever, moi? Oui. Ah, je me relève, je me tiens droite, pas contente, électrocutée. Et puis je dis, non, non, nous, on va pas rentrer chez nous jusqu'à ce que tu nous aies pas dit tout ce que tu sais. Et j'ai tenu tête au professeur. Ok. Donc, on va dire que un succès automatique, donc tu l'as convaincu. Et Isaac se tourne vers toi. Tu vois que c'est un robot, mais bah, tu sens dans son expression qu'il est, désolé. Et il dit « Vous avez raison, je m'excuse. Je vais vous expliquer. Mais après la pause. » Pause. Tu vas déjà te mettre en pause? Et non.